La merveille suivante de notre top 10 peut avoir l'air majestueux, en apparence. Mais elle renferme des indices sur la vie encore plus intime des habitants de Pompéi. Si vous souhaitez avoir une idée de ce que ça faisait de vivre dans cette ville du Grand Empire romain, c'est dans le prochain lieu que vous le découvrirez. C'est mon prochain trésor, le Forum de Pompéi. À la 7e place de mon top 10, un endroit qui me tient très à cœur. Cette place piétonne occupe une surface équivalente à celle de la Maison Blanche, en plein centre de Pompéi, et comporte plusieurs monuments. C'était le centre névralgique de la vie et l'endroit où être vu. Je me suis donc faufilé dans le temple de Jupiter pour prendre de la hauteur. Des gens de tous milieux passaient du temps ici. Des esclaves aux marchands, aux aristocrates. C'était donc ici qu'on ressentait vraiment un sentiment d'appartenance à la ville, mais aussi à quelque chose de plus grand que soi. L'Empire. Le puissant Empire romain s'étendait de la Bretagne jusqu'au Moyen-Orient. Afin d'unir et impressionner ses sujets, l'Empire créa un modèle qu'il put reproduire dans tous ses immenses territoires. Dans chaque ville, on trouvait une pièce maîtresse représentant la puissance romaine. Le Forum. C'était vraiment le cœur de la ville. C'était un endroit qui comptait beaucoup pour les Pompéiens. Mais ce qui est plutôt ironique, c'est qu'il n'a rien de plus que les autres forums de l'Empire. C'est en ça que Rome était malin. Cela voulait dire que peu importe où vous étiez, vous faisiez partie de l'Empire.